Madame Dominique Dupuis, ambassadrice pays d'Haïti à l'UNESCO, délivre propre impression sous différents accords cadres que pays d'Haïti a signé avec un pile université dans pays étranger. Moi-même, j'ai envie déjà de dire merci parce que ce n'est pas la première fois que je suis la voix de l'Amérique. C'est un plaisir pour me retrouver dans l'espace, pour nous faire un petit chita parler ça ensemble. Je sens que je suis content en pile parce que là, nous vraiment vivons un moment où nous retrouvons sens de diplomatie. L'air diplomatique qui travaille, une diplomatie qui comprend le rôle, le résultat est là. Parce qu'au fait, le monde paraît pour rentrer en conversation avec Haïti. C'est ça, ça montre nous. Depuis nous jouons un interlocuteur qui a allé vers et l'autre pays, qui a ouvert les bras, un lien pour en fait au bénéfice de la population haïtienne. Madame l'ambassadrice a fait connaître que le monde entier paraît dans le moment ça pour être capable de dialoguer avec pays d'Haïti. Elle puis déterminée toujours pour le capable travailler en tant qu'ambassadrice pour pays d'Haïti à l'UNESCO, pour le capable mettre bon gens programme d'éducation pour pays d'Haïti. Donc c'est vraiment un moment qui encourage, qui peut être content pour moi et qui donne plus force pour me lancer la mission PAM, parce que mon mission côté à l'UNESCO, c'est pour l'éducation. Nous avons des chantiers, nous avons fait tout sous création chère avec l'université haïtienne. Nous fait et il y a une bonne nouvelle ça, qui est tombée le 29 avril dernier avec nouveau chaire n'a fait avec l'Université d'État d'Haïti. C'est le deuxième chaire UNESCO qui a ouvert et Haïti. Le premier, c'était avec l'Université Kiskeya, dans la science avec femme. Ça, c'est sous patrimoine avec histoire. Et ça a vraiment vu un moment côté ma comprendre que l'heure vraiment nous décide de travailler pour jeunes, nous décide de travailler pour les gens que nous avons représentés. Résultat, nous sommes là. L'Italie ouvre les bras à étudiants haïtiens. UNESCO ouvre les bras à travers le réseautage cher. Je pense que nous vraiment vivons un moment côté que nous avons un dynamisme qui a bail résultat et il faut nous encourager ça. Madame Nafé connaît que malgré Jean, le pays d'Haïti est là, ça n'a pas empêché que nous ayons pile l'autre nation. Pays d'Haïti était comme un gros pays. C'est pas parce que nous avons une sorte de tourmente, dit, que ça veut dire que le monde ferme à nous. Parce que Haïti, c'est un pays qui a une contribution exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Et mémoire, pays, ça n'a pas coûté. Moi-même, moi, avec l'UNESCO, reconnaissance que l'ambassadeur grec là vient manifester, m'a présenté l'aide. Moi, il dit premier pays qui a reconnaît l'indépendance grecque il y a 200 ans, la Grèce a fêté bicentenaire là, c'est Haïti. Donc, l'Éthiopie, l'ambassadeur éthiopien a recevoir, il dit que Haïti te voye moun pour supporter yo dans bataille à droit il y a 126 ans. Pays ça pas oublié, Italie pareil. Donc nous moment sombre côté que nous pas penser nous pour donc vous voyez son moment de turbulence Haïti a passé. Mais Haïti est un gros pays. Haïti est un gros pays avec un parcours et un avenir qui est promesse là-dedans. Ça veut dire passé nous son passé triomphant, futur nous pas rien qui dit que le pas doit triomphant tout. Et le monde entier pas réduit nous à moment que n'a passé kounia. Nous même nous pas de réduire tête nous aller non plus parce que le monde entier a souvenir de grandeur nous et il a souvenir tout de potentiel nous. Pour madame ambassadrice là, vague étudiants ça yo cap étudier tout partout à travers le monde, yo considéré yo comme des ambassadeurs et yo ta doit comporter yo et prendre responsabilité yo dans n'importe quel pays yo ta trouvé. Étudiants ça vient des ambassadeurs pour Haïti tout. Parce que eux-mêmes, ils sont porteurs. Donc, ils ont une mission. Ils ont une mission forte. Et quel que soit ça, ils ont choisi de faire avec la vie. Yo, parcours, ça a changé. Yo. Et le lien avec Haïti, pas jamais détruit. Même si il y a des gens qui ne sont pas tournés, ils allaient aux Philippines, ils allaient au Maroc, ils ne sont pas tournés, ville pour l'autre côté, il a toujours été haïtien, mais ça, il y a toujours un lien avec Telly. Madame, nous invité la voix de l'Amérique, restez branchée, parce que grand pile l'autre bagaille. Cap venir encore. Et d'ailleurs, je vais voir l'Amérique était branchée parce qu'il y a bien nouvelle dans ce sac qui a sorti dans l'UNESCO. Jedens, Franklin Edouard, depuis la ville Lumière, pour la voix de l'Amérique créole.